Pourquoi je vous imagine pionneuse de bar à 50 ans? On boit pas beaucoup, hein. Non. Par contre, je pense qu'on sera les petites vieilles qui commèrent de fou sur les gens qui passent dans la rue. Ah oui, ça. Ah bah c'est déjà ce qu'on fait, oui. Donc oui, faut qu'on arrête. En ouais. Vrai. Au début, quand on s'est rencontrés, on n'était pas du tout gossip. Et on était un peu... pas trop. Pas toi, peut-être. Ouais, moi c'était pas trop, et c'était un peu m'inverté, genre moi les ragots c'est pas trop mon truc. Maintenant... Regardez cette pique-me, là. Je l'étais. Moi aussi j'étais... non, pas trop. Moi j'étais ado, j'étais une pique-me de ouf. Est-ce que c'était vraiment juste être pick me ou être misogyne? Ah, j'étais misogyne. Ouais. Ouais, 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 c'est vrai. J'ai discuté des super pouvoirs nuls avec Paul au téléphone. Après, les pick me sont misogynes. Oui. Mais moi, je pense que j'étais plus misogyne que... Ah! Je pense que j'étais pas tant une pick me que ça. J'étais plus une misogyne que pick me. Enfin, j'aime même sentir différente. C'était pas forcément pour les autres, tu vois. Ouais. C'était plus ça. Les... C'est quoi un pick me? Une pick me qui vient de l'anglais pick me, choisis-moi, qui veut dire choisis-moi, c'est des femmes qui répondent au code phallocratique ou encore patriarcaux. Ouais. Et dans le but. Pas si dyslexique que ça, finalement, la gueuse. Dans le but de plaire aux hommes. Donc ça veut dire se plier au diktat de. Merci Bricabri pour le prime, merci The Spino pour le prime. Et en plus de ça, c'est des femmes qui vont qui visent à descendre les autres femmes pour se valoriser en mode bah moi je suis pas comme elle, moi je mange de la pizza. Voilà, le classique. Voilà. Moi je vais pas au Starbucks en fait parce que c'est leur tout leur café un peu extravagant là. Attends, tu rigoles. Dans Lolita malgré moi avec Hilary Duff. Ma rêve de ma vie, hein. Non, pas Lolita malgré moi. Cendrillon, comme Cendrillon, je suis fatiguée. Oui. Comme Cendrillon, avec Hilary Duff. À un moment, bah, elle est en Cendrillon, puis le gars, il doit essayer de deviner qui c'est. Puis il lui dit, ah, facile, je peux te poser des questions qui feront vite le tri. Tu prendrais quoi entre une salade et un hamburger? Elle fait, ah, un hamburger, évidemment. Pick me. Ça, c'est une pick me. Mais ouais, c'est vraiment les... c'est également les meufs qui... alors, je sais pas si ça se fait toujours, mais... Je sais que moi, quand j'étais au collège et au lycée, il y avait vraiment ce truc de « Ah non, mais moi, je me maquille pas, hein. Je mets que de la crème hydratante parce que les pots de peinture, là, non, merci. » J'étais même pas de crème hydratante. Moi, j'étais plus pique-me que toi. T'étais certainement rugueuse également, mais bon. Oui, j'ai des problèmes, d'accord. Non, moi, je mettais des crèmes que, tu sais, c'était à l'époque où on disait « Si t'as de l'acné, faut que tu t'assèches la peau. » Et du coup, j'avais des crèmes, tu sais, qui décoloraient même mes draps tellement c'était violent. Mais c'était un dermatologue qui m'avait donné ça, mais c'était horrible. Ah, ok. Et du coup, ça décolorait mes draps. Et il me disait de dormir, je devais dormir avec une serviette sous le visage pour pas décolorer tout. Ah, yes!